c'est un hasard total. C'est une fabuleuse surprise. Donc ça veut dire que des fois, il faut savoir aller là où on pense qu'on n'a pas sa place. Parce qu'on peut se surprendre, dire waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et ça m'a permis d'avoir une vie fantastique, ça a changé ma vie. Je repasse le message, je dis mesdames les dirigeantes qui œuvraient toute l'année depuis des années dans les clubs, vous êtes trop discrètes parfois, donc osez prendre des responsabilités. C'est quelqu'un qui fait un boulot fou dans son club. Le président est là, il ne dira pas le contraire, donc je voudrais qu'on applaudisse très fort Fabienne Bonnefoy. J'ai été très surprise et je suis très fière du coup d'avoir remporté ce challenge de la féminisation. Effectivement, je représente le club d'Ozon Azra dans la Haute-Loire. Je suis joueuse de foot, je suis aussi trésorière du club et coach des U18 féminines. Donc j'ai beaucoup de casquettes et j'encourage les filles, comme il disait tout à l'heure, à oser prendre des responsabilités dans leur club. Au sein d'Ozon Azra, justement, tout à l'heure, dans la matinée, je ne sais plus qui évoquait le fait que les filles ne devaient pas prendre la place des garçons et les garçons celle des filles. Justement, à Ozon, on est très complémentaires. Enfin, c'est un club à part entière, en fait. C'est pas un club féminin ou masculin, c'est un club de foot. Ça fait plaisir déjà parce que bon, moi ça fait longtemps que je suis dans le foot, mais à Basse j'étais la seule au départ. Au jour d'aujourd'hui on est 5 et une 6e qui va nous rejoindre, même voire plus. Donc c'est une récompense qui fait plaisir et qui montre que le travail paye. Moi je suis arrivée il n'y a pas longtemps dans le comité directeur, il y a 3 ans. Donc puis après on a été de plus en plus et du coup le fait qu'il y ait d'autres femmes, ça nous donne envie de nous impliquer dans le club plus facilement. Et 2019, la Coupe du Monde en France, je dirais c'est un feu d'artifice, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà qu'elle existe, 2, qu'elle soit chez nous, et 3, j'ai le sentiment que d'ores et déjà, elle produit ses effets en termes d'engouement, d'envie. Tous les matchs sur TF1, ça aussi c'est extraordinaire. Je ne vais pas revenir sur des épisodes de passé. Et j'espère vraiment que tout le monde va s'en emparer, mais en famille. Et faire en sorte que, à la rentrée de septembre, je souhaite plein de problèmes à tous les présidents de club, tous les CTL, tous les CTR, toutes les ligues, qui soient embêtés, pas savoir comment faire pour faire jouer toutes les petites filles qui vont arriver dans les clubs.